عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Excellence, Madame l'Ambassadeur et Madame la Consul Générale du Royaume du Maroc au Canada. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les Consuls Généraux d'Irak et de Syrie, Honorables députés, Mairesse et Maires, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents des Associations Marocaines du Canada. لكم مرحبا بكم. انا سعيده ومسروره بهذا اللقاء البهيج الرائع اللي في الحقيقه الروعه ديالو هي الحضور ديالكم جميعا نساء ورجال اخوات من كل جهه كندا. فمرحبا بكم شكرا. Permettez-moi tout d'abord de exprimer ma joie, mon bonheur d'être aujourd'hui parmi vous. Et je voudrais commencer par remercier très, très, très chaleureusement les organisateurs qui nous ont permis de nous retrouver aujourd'hui ici, dans ce cadre magnifique. Je pense que tout est au rendez-vous. Le cadre qui est absolument superbe, le soleil radieux, votre présence, ce brassage, cette diversité à la fois culturelle, religieuse. Je vois parmi vous nos compatriotes juifs marocains. Je suis très heureuse donc de cette rencontre qui nous unit. Donc c'est véritablement un geste fédérateur. Je pense que le diapason est donné pour continuer à, ensemble, travailler, coordonner, mais aussi faire la fête. Nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer le 11e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. تحياتي للحضور الكريم. مساء الخير وعيد سعيد. Madame la ministre, Madame l'ambassadeur, Monsieur le maire de Montréal Nord, chers collègues consuls généraux d'Irak et consuls généraux de Syrie, Monsieur le président du Congrès des Marocains du Canada, chers compatriotes, je voudrais tout d'abord vous dire que je fais mienne toutes les déclarations de Son Excellence, Madame l'Ambassadeur, Madame Zachokroni, et permettez-moi à mon tour de vous adresser quelques mots. Alors, c'est un très grand jour pour toute la communauté marocaine de Montréal, mais aussi du Canada, parce qu'il y a des gens qui sont venus de Toronto, il y a des gens qui sont venus de Sherbrooke, de Québec et d'ailleurs, et qui sont réunis ici dans l'un des plus grands et des plus beaux parcs de la métropole pour célébrer en famille et avec nos amis québécois et canadiens notre fête nationale, la glorieuse fête du ministre du développement durable, de l'environnement et des parcs, et surtout député de Montréal-Nord. Donc je lui donne le micro. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous, très distingués invités. C'est au nom du Premier ministre du Québec, M. Jean Charest, que je suis venue vous offrir les salutations et nos meilleurs voeux à l'occasion de la fête nationale du Maroc. Le gouvernement du Québec tient à vous remercier, pour votre confiance, à vous remercier pour les familles que vous fondez ici au Québec et au Canada, à vous remercier pour les entreprises que vous êtes en train de mettre en place, à vous remercier pour votre sens du partage, de votre bonne cuisine, de votre belle musique. Et pour moi, je pense que le plus grand symbole d'une amitié entre des peuples, c'est lorsqu'on est capable de rire ensemble et de partager le même sens de l'humour. Et vous comprenez que en votre nom, je vais ici saluer un grand artiste, un humoriste, mais surtout un homme d'exception. Je salue Rachid Badouri. Et la beauté de l'histoire, c'est que si vous, vous êtes fiers de Rachid, imaginez, tous les Québécois et les Québécoises sont fiers de Rachid. Merci bien. Distingués invités. Bonjour, Monsieur Jawad, amitié. Al-Salam alaikum à tous. Allah, Al-Watan, Al-Malik. Ça, c'est un de mes amis, Monsieur
Abdel Erzik, que je remercie, monsieur le président de l'Association musulmane à Montréal-Nord, monsieur Erzik, amitié à vous, amitié à vous, toute la communauté marocaine.